On se retrouve sur la suite du Let's Play sur Fallout 4 et on va tout de suite sortir vers les terres désolées. Enfin, ce que j'imagine être les terres désolées. Changer spécial, apparence, non, on va tout garder comme ça, c'est très bien. Surprise. Sans doute pas. Pas très bonne. La lumière du jour. La voici. C'est joli, hein. Là, au niveau de l'ambiance, c'est top. On se retrouve donc. Bah, 200 ans après l'explosion. Forcément, ça a plus du tout la même allure, ça c'est clair. Donc on peut prendre du matos dans les caisses. On va se servir. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas l'impression. Et on va suivre le point vert, puisque c'est dans la direction dans laquelle on doit aller. Là, il y a une caisse. Radaway. Bouteilles de Nuka-Cola, mais elles sont vides. Donc on va aller par là, en direction de notre ancienne maison, pour essayer de mieux comprendre et de retrouver notre fils Sean. Sanctuary. On peut fouiller un petit peu les maisons peut-être pour essayer de trouver du stuff. Un couteau, ça peut toujours servir si on tombe en panne de munitions. Là, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Radaway, des vêtements. On va les essayer, tiens. Tenue, vêtements. Oh ben c'est des vêtements très très propres, ça. Allez, on les garde. Alors, on va essayer de fouiller notre maison. Ah bah là, il y a notre ami le robot. On va lui parler. C'est vraiment vous. Mon Dieu. Ils l'ont fait. Ces enfoirés, ils l'ont vraiment fait. Tout est mort. Tout est mort? Ah oui, le jardin. Les fleurs vont causer bien du souci, je l'admets. Ah, si seulement votre épouse était là pour nous aider. Où est-elle d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Le robot qui est complètement à l'ouest. Je n'y comprends rien. Qui aurait pu vouloir enlever mon fils? Ça n'a aucun sens. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur.
ça, on avait regardé le Pip-Boy. La durée n'a pas d'importance. Je me sens bien. Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Il a pété un câble au robot. Codsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Bonne question, cher ami. Hola, hola, concentre-toi, Codsworth. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Merci, Codsworth. De rien. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. On va écouter la holobande. Alors, ça va être ça. Jouer. On va fouiller là, dans notre maison. Peut-être trouver quelque chose de sympa. Et voilà. Grognac le barbare. Un magazine. Donc. Il n'y a rien de plus intéressant. Dans la machine. Hocher, petite voiture, chaise, perso de jaune, jeu de société. Ah yes, il y a une armure. Enfin, une tenue. On va la mettre. Ah ouais, c'est plus la classe déjà. Ça fait un petit peu plus post-apo. J'aime bien. Alors on va suivre notre ami le robot. Je sais pas trop où il est passé. Ah, il y a des bestioles. A déjà tué. Votre famille n'est pas là non plus. Et non. What did you expect, bro? Je peux pas passer là. Là, y'a rien à ramasser. On va lui parler. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Sean est là, quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ces gens-là me plaisent déjà. Oh, parfait! Dans ce cas, peut-être que vous vous entendrez bien avec eux et qu'ils pourront vous aider à retrouver le jeune Sean. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Ok, Codsworth. Reste donc là. Ah, épingle à cheveux. Y a rien d'intéressant à trouver. D'autre que ça. Apparemment
maison en face. Ah, bah elle est fermée. Boîte aux lettres, y a rien. Ça, je sais pas laquelle c'est peut-être la nôtre. Non, c'est pas la nôtre. Rien d'intéressant. Bon bah écoutez, on va continuer. On va aller à Concorde. Donc c'est par là. Passer par le pont pour éviter de passer dans l'eau irradiée. On va le traverser et on va prendre des grenades en passant. Bon, le début du jeu, moi je le connais déjà parce que j'avais déjà enregistré. Intéressant là. Donc on peut affecter des favoris. Là j'ai tenu une nomade du coup. Ça me fait 5 de résistance aux dégâts et 7 aux énergies. Donc c'est mieux. Et puis j'ai trouvé une autre arme. Par contre elle est moins bien que mon 10 mm. Et des steam packs pour me soigner. On va continuer. Là-bas, il y a une espèce de fusée. Il doit y avoir un bâtiment. On va aller voir. Ah bah, il est là. Et on voit le fameux chien des trailers et qu'on a vu sur les images de gameplay. Et salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Tu m'as l'air sympa, toi. Allez, on l'emmène. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. On va fouiller le bâtiment. Voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dedans. Donc le chien nous suit maintenant. Ça, c'est cool. J'espère que les aboiements vont pas être trop gênants. On peut fermer là. Cachette de capsule, ça c'est cool. Psycho, c'est de la drogue, ça se revend. Bon, rien de plus intéressant. Si là c'est quoi? Cartouche de cigarette, ça se revend. Argent d'avant-guerre, c'est bien. Bon, on va continuer. Continuer. Ah, on se fait attaquer par des rats taupes. On va les sécher. Et on arrêtera la vidéo après. J'ai pas une super précision avec mon arme. Ça va, une balle. On les tue à chaque coup. Donc c'est pas trop compliqué pour l'instant. C'est juste pour nous montrer que le chien qui est avec nous nous aide pour nous battre. Donc ça c'est vraiment bien. Donc Concorde c'est par là. On va avancer un peu. Waouh, moustique géant.